Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Je suis ravie de vous retrouver après cette coupure des vacances de la Toussaint. Mais alors, on n'a pas chômé, on vous a réservé plein de surprises. Au sommaire, aujourd'hui, la comédie la plus déjantée de l'année, Africa Corse, qui va sortir en salle dans quelques jours, avec Gérard Guérière, le réalisateur, et Pierre Salasque, l'un des principaux protagonistes, bonjour, qui sont là avec nous et qui vont nous en parler tout à l'heure. On va marquer une petite pause avec Francesc, on va partir du côté du Tavignan, et on va parler de l'entretien des sentiers à cheval. Et pour m'accompagner tout au long de l'émission, son grand retour, Faustine, je suis ravie que vous soyez là, je suis ravie de vous retrouver. Vous arrivez les bras chargés de cadeaux, on va jouer évidemment aujourd'hui. Et puis en deuxième partie, je vous annonce déjà qu'on va parler des champignons avec ce temps merveilleux. On va vous dire quoi ramasser et surtout, gare aux intoxications. Donc si vous voulez nous appeler pour poser des questions, 0800 3x0 900. Alors je vous le disais, Africa Corse, Gérard Guérière, vous êtes le réalisateur, vous êtes aussi comédien. Pierre, vous êtes comédien, vous êtes également metteur en scène. Et donc, vous êtes là pour nous présenter cette comédie complètement folle qui se passe dans les années 70. Gérard, vous interprétez Mathurin et vous avez deux frères et tout bascule le jour de l'enterrement de votre mère chez le notaire. Oui. Expliquez-nous un petit peu comment il se passe dans cette comédie. C'est trois frères, donc Brutus, Mathurin et il s'appelle comment le troisième déjà? Brutus, Mathurin et Antoine. Leur mère décède et le jour de l'ouverture testamentaire chez le notaire, ils apprennent d'une part que l'un des trois est en réalité le fils d'un officier SS. Et là, c'est le drame. Le drame, oui. Au premier abord, c'est le drame. Et qui plus est, celui-là aura droit seul à l'héritage de son père qui n'est autre que le trésor de Rommel. Oh, incroyable. Voilà, qui n'a toujours pas été retrouvé. Mais vous l'avez retrouvé, donc. Oui. Vous savez où il est, du coup. Alors, vous, Pierre, je vais vous laisser raconter un petit peu votre personnage parce qu'il est assez improbable. Alors, c'est sûr que quand Gérard m'a donné ce scénario, il est arrivé pour Gérard et moi une évidence, c'est que souvent, quand on est acteur d'origine corse, on nous donne souvent les personnages de Corse à faire. Ouais, et je lui ai dit, écoute, regarde, j'aimerais un petit peu sortir de là parce que, je veux dire, d'abord, je suis un acteur européen, entre parenthèses, Corse, c'est sûr. Oui, et il m'a donné la chance de faire ce personnage complètement fou qui s'appelle Air Oberst. C'est un bonheur. C'était cette blonditude qui sommeille en vous, c'est sûr. Hein, ouais. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va regarder un extrait de la bande-annonce et puis on en parle ensuite. Un de mes trois enfants n'aura rien de mon héritage car il est le fruit d'une relation éphémère avec un officier SS. Il aura droit, par contre, à l'héritage de son père, le trésor de Rommel. Regarde de bataille, vous faites avec quel temps tout ce que tu as dans le. Qui c'est qui a acheté un Volkswagen, le premier obligé? Non, j'aurais pu l'acheter là, parce que je me suis acheté une montre. Alors, seule l'identité du fils nous mènera à ce que nous cherchons. Sans cela, impossible de savoir où est dissimulé le trésor. Mais venez que je vous fasse visiter ma Bundesferme. Le trésor trouvé. Il faudra penser à exterminer tous les protagonistes de cette histoire. Nous ferons de cette île la nouvelle Germania, la nouvelle capitale du 4e Reich. Alors, c'est votre maman, c'est ça, qui fait beaucoup rire, qui va vous révéler où peut se trouver ce trésor. Mais comment vous avez eu l'idée de parler de ça? D'une part, alors, le trésor de Rommel, ça tombe bien parce qu'il est à côté de chez moi, vraisemblablement. Ah bah enfin, oui. pas très loin. Hein, pas très loin, hein, on sait oui, jamais. Oui, je suis Bastia, donc aussi, bon. Vous aider à le retrouver, on sait jamais. Et donc, c'était assez facile, quoi. Comme j'étais sur place, d'une part. Et puis, comme bon, je m'intéresse à l'archéologie, tout ça. Et puis, j'aimais bien ce côté de mélanger un peu la période, l'occupation, avec les années 70, en fait, de se faire affronter deux périodes complètement contradictoires. Enfin, ouais, assez paradoxales, oui. Et donc, mais comment vous êtes-vous laissé convaincre de jouer dans cette comédie folle? Mais moi, j'aime bien l'univers de Gérard. C'est-à-dire qu'il est débridé. Il est débridé, en même temps, il y a une vraie écriture, il y a une vraie forme, il y a une vraie histoire. La première fois qu'il m'a appelé, c'était pour X-Making. Et quand il m'a proposé de faire le rôle d'un producteur de porno qui allait faire un porno traditionnel en Corse, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai lu le scénario en 3 heures à un bar. Et là, il y a quelques années, il m'a parlé d'African Corse, il me l'a fait lire et là...
Je me suis bidonné, je lui disais tous les ans, mais quand est-ce qu'on le fait? On a réussi à le faire. Alors, on est d'accord, c'est une comédie qui est quand même accessible à tout le monde. Hein. À l'inverse de X-Making. Voilà. À partir de 7 ans, c'est accessible. X-Making, c'était aussi relativement accessible. Ouais, mais c'était, plus... c'était un peu particulier, quand même, un petit peu différent. Alors, revenons au trésor de Rommel. Donc, on n'a pas retrouvé, sache, vous ne l'avez pas retrouvé. Dans le film, j'émets une nouvelle théorie concernant ce trésor. Oui, mais ça, on ne le dira pas. D'accord. On ne révélera pas. En revanche, pour aider Faustine, ceux qui aimeraient partir à la recherche du trésor de Rommel, vous avez des pistes. Exactement. Donc, on va commencer par quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'un trésor? Donc, ce n'est pas forcément ça, un trésor. Non, la palette n'y est pas. Voilà. Ce n'est pas forcément ça, un trésor. Un trésor, c'est défini par la loi comme, je cite, « toute chose enfouie ou cachée qui n'a pas de propriétaire ». Donc attention, c'est pas une raison pour continuer d'enfuir nos poubelles. Parce que si je monte à tes guillemets, au-dessus de Bastia, je déterre une télé. Ça n'est pas un trésor. Ça n'est pas un Quoique trésor. Quoique si elle est des années 70, si elle est vintage, peut-être. Ça marche pas, puisque l'objet doit être considéré comme archéologique ou historique. Donc si effectivement je tombe sur le pactole, d'abord la première chose à faire, évidemment, c'est quoi? C'est d'avertir les autorités. Oui, parce que ça va pas réussir à certains. Évidemment, qui peuvent en disposer pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, si je l'ai découvert chez moi, il est à moi. Si je l'ai découvert chez quelqu'un d'autre, on fait 50-50. Bah oui. Sachez que, en revanche, tout objet non déclaré fait de vous un pirate. Bah, on bit monta des mica zeg, on si des mica Johnny Depp. Tout ce que vous aurez gagné, c'est une belle amende. Alors, l'attirail du parfait chasseur de trésors. L'attirail du parfait chasseur de trésors, c'est évidemment le détecteur de métaux. Donc, il y en a à tous les prix, entre 150 et 7000 euros. Ah, et le site, oui, ça peut aller très. Le site spécialisé en la matière, c'est la boutique du fouilleur et Filigone Chine, Bashta Onda Nantaouzid ou Di Marianne, donc près de Borgo, dont les alentours sont régulièrement fouillés par des hordes d'Indiana Jones du dimanche qui revendent leur butin sur eBay. C'est complètement illégal de faire ça. Bah, bien sûr, c'est illégal, car aussi bizarre que ça puisse paraître, pour qu'un trésor soit considéré comme tel, il faut tomber dessus par hasard. Genre, j'ai pas d'exprès. Suis tombée dessus. Tiens, un trésor. Un peu comme on cherche des champignons. Exactement. Il y a quelques années, donc, des gens refont leur maison dans l'Aube. Un pan de plafond leur tombe sur la tête. Et là, 700 000 euros, 500 pièces d'or. Ça peut vous inspirer un film, ça, Gérard. C'est ça. De même. Le truc, c'est qu'on n'utilise pas de détecteur sans autorisation préfectorale. Donc, d'un côté, on condamne les gens qui cherchent, mais d'un autre, pour en revenir à Marianne, nous sommes assis sur une cité romaine et qu'est-ce qu'on fait? Bah, rien, puisqu'aucun fonds ne sont débloqués pour qu'elle voie à nouveau le jour. Donc, grosso modo, l'idée, c'est qu'un trésor, c'est à personne, mais surtout pas à vous. Ah. Bah oui. D'ailleurs, vous savez comment ça s'appelle, si je dis pas de bêtises, quelqu'un qui trouve un trésor, en l'occurrence une caissette de pièces d'or? Vous devez savoir, parce que vous avez des études. C'est quelque chose. Non, c'est un inventeur. Un inventeur. Voilà. Bon, alors, c'est comment on se passe? C'est un numismatique, que tu voulais dire. Oui, c'est collectionne des pièces. Oui, c'est celui qui collectionne des pièces. Numismat. C'est celui qui vend, qui achète des pièces. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, le mieux, c'est de faire comme les évadés fiscaux. On se casse, grosso modo. On se casse hors de France. Donc, au choix, Floride, Caraïbes, Océan Indien, des paradis fiscaux en matière de trésors, puisque les législations, ils sont plus souples, des butins, ils sont régulièrement découverts, il y a même des sociétés qui sont professionnelles pour ça. La preuve en est, en 2015, 300 pièces espagnoles pour une valeur de 4,5 millions d'euros. Regardez comme ils sont heureux, ces plongeurs. Ouais. Vous n'êtes pas en train de dire qu'on va aller chercher le trésor de Rommel et qu'on va partir là-bas. Qui sait? Bon, très bien. Si on n'a pas envie de partir, Faustine, à la chasse au trésor, on peut quand même gagner le pactole aujourd'hui grâce à vous. Le pactole, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on parle de devenir riche sans lever le petit doigt. Donc, le jeu d'aujourd'hui, c'est un trésor qu'on a découvert en Corse. Oui. Ne dites pas la réponse. En 85, dans la région de Sagone, on parle de 500 pièces d'or qui ont été revendues
au marché noir. De quel trésor s'agit-il? C'était là. Tiamat Dejibourg a gagné aujourd'hui une carte totale de 50 euros. C'est pas mal, ça, c'est génial. Deux places pour les musicales et deux places pour aller voir Africa Corse. Voilà, qui sortira donc en avant-première à Bastia le 15 novembre prochain, c'est et ça. Puis dans toutes les salles corse le 16 et peut-être même sur le continent. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ben, on va voir. En tout cas, on croise les doigts. Alors, on parle des moyens, hein, puisque après tous ces trésors et toutes ces pièces dont vous avez disposé pour recréer l'ambiance. Moi, le film, j'ai eu la chance de le voir et j'ai trouvé ça extrêmement réaliste et j'étais assez impressionnée. Et vous n'avez pas forcément des moyens colossaux. Ben, c'est-à-dire, en fait, les moyens, c'est surtout que d'une part, au niveau des années 40, il y a beaucoup de collectionneurs qui m'ont prêté des objets. Donc déjà, ça facilite les choses. Et au niveau des années 70, surtout bon, au niveau des décors, des costumes, bon, les costumes, c'est la Croix-Rouge essentiellement, ou bien quelques boutiques vintage, mais c'est essentiellement des costumes de la Croix-Rouge. Oui, parce qu'il y a vraiment les deux périodes. Hein. Oui. Alors, on est en train de me dire qu'on a un extrait. Je pense qu'on va se faire un peu plaisir. On regarde un nouvel extrait du film. Un de mes trois enfants n'aura rien de mon héritage car il est le fruit d'une relation éphémère avec un officier SS. Le problème étant qu'elle ne dit pas lequel d'entre vous est le fils du dit officier SS. Pourquoi vous me regardez comme ça? Maître, ça peut pas être moi. Je me suis sacrifié pour la France, moi. Moi, c'est pas moi. Je suis le plus corse de nous. C'est impossible que ce soit moi, maître. Et so corsu et ne so fieru. Anche o so corse fieru. Quoique, c'est moi qui parle le mieux le corse. Je n'ai jamais quitté mon pays, moi. Je n'ai pas passé ma vie dans les colonies. Messieurs, attendez. Écoutez bien ce que spécifie la suite. Il aura droit, par contre, à l'héritage de son père, le trésor de Rommel. Le dit trésor est estimé à 3 milliards de marques. Eh ben, 3 milliards de marques. Donc, finalement, hein, cette corsitude, vous n'allez pas la revendiquer longtemps. Non, pas longtemps. La germanitude, on va plutôt revendiquer. Ah oui, d'accord. Puis je tiens à dire quand même que vous avez tous les deux des coupes de cheveux assez incroyables, hein, tout au long du film. Elle essaie d'être assez sobre dans la vie de tous les jours. Après, au cinéma, j'ai la chance de m'amuser un peu. Non, mais ça vous va bien. C'est toutefois un jour que vous voulez changer. Le blond me va bien. J'étais blond hein, étant jeune, j'étais clair. Hein. J'étais à peu près comme vous. Voilà. Je veux bien le croire, hein, parce que personne ne voit. Presque aussi jeune que vous aussi. Ah, d'accord, merci. Bah, écoutez, je vais vous proposer de marquer une petite pause hein, pour se remettre de ces excentricités capillaires. On va aller retrouver Francesca du côté du Tavignan. Elle nous fait découvrir un métier finalement assez ancien aussi, qui est l'entretien des sentiers à cheval. On regarde. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Alors je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui au bord du Tavignan ou dans la plaine d'Antizante. Et pourquoi? Eh bien pour découvrir une toute nouvelle entreprise qui s'est créée il y a une dizaine de mois, l'entreprise TEI, à savoir Travaux et Quins Insulaires. Une entreprise dont l'activité principale consiste à réaliser des travaux forestiers, agricoles, mais également de nettoyage écologique en traction animale. Tout un programme à suivre tout de suite sur France 3 Corse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez créé votre société il y a à peu près 10 mois, qui s'inscrit complètement dans une démarche de développement durable. De quoi s'agit-il? Alors, j'ai deux chevaux de trait où je travaille spécialement sur le débardage en rivière, en milieu humide. On peut faire du nettoyage de plage à la mer, on peut travailler dans les vignes et on peut tracter une remorque pour faire n'importe quel travaux là où les véhicules ne peuvent pas aller. Quels sont les avantages? Aucune pollution, pas de création d'ornières, peu de travail du sol, sauf les empreintes du pied du cheval. Le cheval travaille en souplesse, en douceur, chose que ne fait pas un engin mécanisé. Quels sont les inconvénients également?
Les inconvénients sont l'attraction, le poids de l'attraction. Le cheval est un animal, c'est de l'humeur. Mm-hmm. Il a ses temps de repos. Un tracteur peut travailler 15 heures d'affilée. Le cheval ne peut pas le faire. Donc il y a une notion de temps là qu'il faut intégrer quand même. C'est-à-dire qu'avec une machine, évidemment, entre guillemets, ça va être plus rentable. Non, pas plus rentable. Le rendement va être supérieur, mais vous augmentez les frais de la machine. Mm-hmm. Le cheval n'a que sa nourriture et ses pieds, son parage. Les coûts d'un cheval sont inférieurs aux coûts d'un tracteur. Quel public aimeriez-vous toucher ? Moi, j'aimerais toucher déjà toutes les communes pour le nettoyage des rivières, la sortie de tous les embâcles qui sont sur les rivières et qui empêchent de pouvoir faire un chemin de halage. Mmh. Et ce bois reste, est en train de pourrir. Et sur des lieux comme ici, il n'y a que le cheval qui peut le faire. Qui n'est pas du tout démocratisé en Corse, puisque vous êtes le seul. Oui, je suis tout seul à faire ça sur les rivières. Et j'espère que ça va se démocratiser en 2017. Mmh. Il y a obligation pour les communes de nettoyer les rivières. Et j'espère que ça va mieux fonctionner que ça fonctionne maintenant. Merci Gilles Billandon. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite une très bonne continuation et plein d'avenir, puisque votre activité est en devenir, bien entendu, vous êtes le seul en Corse. En tout cas, on espère et je vous souhaite que ça se démocratise ici chez nous. Vous savez qu'en ce moment, on est en pleine COP 22, en cette fin d'année 2016. Donc, le réchauffement climatique et la planète est à l'honneur. Je vous invite, vous aussi, à participer à ce grand débat et à faire à la fois chez vous et également à solliciter des acteurs comme ça de la vie économique qui pourraient nous aider à faire en sorte que notre planète aille mieux. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Francesca. Et merci pour cette découverte. Alors, Faustine, elle n'a pas tourné ce petit sujet récemment, là, parce qu'avec le temps qu'il a fait ce week-end... Non. Je suis désolée. Temps pourri, on peut le dire. Oui, voilà. Attends, champignons. Attends, faut être champignons. Allez, non, il faut du soleil pour les champignons. Ah oui, c'est vrai. Pluie, hein. Attends. Donc, les nuages sont nombreux sur tout le territoire. Malgré quelques éclaircies cet après-midi, les températures sont en baisse. 16 à 18 degrés sur le littoral. 15 dans le Cortenay, 9 à 12 degrés en montagne. Et puisqu'il pleut, qu'est-ce qu'on fait ? On va au cinéma. Ah, bravo. À Bastia. Au cinéma. C'est fou, hein. Pourquoi on travaille ensemble. C'est incroyable. À Bastia, c'est le dernier jour pour profiter des rencontres du cinéma d'animation. C'est ce soir à 19h, on y va. On y va, 19h, rendez-vous est pris. Au Régent, je précise, cinéma Le Régent. D'accord, est-ce que le film va être... Il essaye d'attraper des mots. Il est assez incroyable, ce personnage. Le film, Au Régent, il y sera, il n'y sera pas ? Alors, oui, il y sera, donc à partir du 16, mais nous faisons une avant-première avec l'équipe le 15, ouais. Le 15 à 21h. Et nous présenterons le film avec l'équipe le 17, jeudi 17 à Corté à 18h. Le vendredi 18 à Porto Vecchio, 21h, et à Ajaccio, évidemment, à l'Ellipse, ça sera 21h le samedi 19. D'accord. Ben justement, vous parlez de l'équipe, ce casting aussi qui est assez incroyable. Un beau casting quand même. Ah oui, très magnifique. Avec Jacques... Jacques Léporat, qui interprète Anto. Il y a aussi Pierre Antonetti, Fabien Gigoudez, ouais. Lucie Pelletier... Coco Orson. Coco Orson, ouais. Elisabeth Retali Dominici. Retali, parce qu'elle s'est mariée et puis elle a divorcé. Ah d'accord. C'est trop de temps pendant le tournage, Michel Ferracci. Le temps que le film se fasse. Hein. Michel Ferracci, donc. Vous tournez souvent avec les mêmes acteurs. Oui, c'est un peu familial. Comme, oui. Ou c'est Yuck. Il y a qui revient.
Ben, c'est... Faut bien, c'est du social un peu. Quelquefois, c'est on aide comme on peut. Alors, on aide comme on peut, on essaie à un moment donné de le faire passer pour un être un petit peu sensé et normal. Oui, donc, hein, mais alors, pas trop décalé. Non, mais faut rigoler, dites-moi. Ah oui, ça on rigole. Le plaisir, c'est de pouvoir faire son travail en tant qu'acteur et vraiment de se marrer. Par exemple, une anecdote géniale, c'est que chaque fin de prise, vraiment, moi par rapport au personnage que j'interprétais, Gérard était là, je veux dire, il y avait toute l'équipe qui était bidonnée. C'est-à-dire que moi, je rentrais dans mon truc super sérieux, parce que je pense que pour donner du comique à un personnage, si nous, on n'y croit pas, si on n'est pas sérieux, ça ne marche pas. C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans le délire profond de ce qu'il voulait, et j'étais jusqu'au bout du truc. Alors, c'est peut-être trop, mais des fois, il y a des films où le trop marche. Puis vous avez aussi un costume extraordinaire. Alors oui, un costume m'a beaucoup plu. Oui. Avec j'hésitais entre les différents bikinis années 70 pour lui mettre. On a fait différents essais. C'est incroyable. Beaucoup de femmes aiment. Beaucoup de femmes, mais c'est ça. Il paraît que vous allez. Je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de fans de nouvelles après ça. Pas des femmes. Après cette. Oh, oui, c'est ça. Ça va rassurer mon épouse. Je n'y aurai pas que des femmes. Bon, bah, que ça c'est fait. Faustine, je vous propose d'accueillir d'ores et déjà le gagnant parce que j'ai peur que ça dérape complètement ensuite. Alors, il s'appelle Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Claude, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que vous avez la réponse de notre jeu ? Oui, c'est le trésor de l'Arve. Bravo Jean-Claude. Qui remporte son petit trésor, lui aussi. Exactement, vous savez ce que vous gagnez, Jean-Claude ? Le trésor. Eh oui. Alors, ça vous arrangerait avec l'État, donc. Il faut le déclarer, on vous l'a dit. Une carte totale de 50€, 2 places pour les musicales et 2 places pour le film de Gérard. Vous allez le voir où, Jean-Claude, le film ? Je ne sais pas encore, je veux voir. Vous êtes du côté d'Agosta, non ? Oui, je suis à Agosta, là. Voilà, ce sera plus facile à l'ellipse, alors. Ce sera à l'ellipse. Voilà. Bon, très bien. Oui. Vous n'avez jamais découvert de trésor, vous ? Non, hélas, non. Alors, vous avez bien écouté ce qu'a dit Faustine. Il faudra le déclarer si vous voulez pouvoir garder un petit morceau du trésor. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Bah, c'est moi qui vous remercie, c'est gentil. On vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Salut. Pour tous ceux qui n'ont pas été suffisamment rapides comme Jean-Claude, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les convaincre d'aller voir le film ? Je t'en prie. Bah, si ils veulent voir... un film qui sort un petit peu des sentiers battus, qui parle qui s'amuse. Ils vont s'amuser, je sais pas. C'est difficile de vendre un film dans lequel on est. Non, je pense que on a eu 2 expériences. On a eu L'Âme et on a eu Bastia. Et c'est vrai que les gens se sont marrés. Ouais. À L'Âme, il y avait 700 personnes, il y avait des vagues de rire. Ça ne rit jamais au même moment. Non, les gens rigolent. Voilà, vous passez 1h30 de bonne humeur. Après, il y a des gens qui aimeront, d'autres qui aimeront pas. Il y aura toujours pareil, c'est le cinéma. Mais je pense que vraiment, tout le monde est. On a beaucoup de critiques positives, d'aussi bien de gens de Télérama, qui sont assez sciés par rapport au fait qu'aujourd'hui en Corse, il y a un vrai cinéma qui sort, qui raconte d'autres histoires que simplement je t'aime, ma corsitude, attention, on est méchant, c'est une bouffée d'oxygène, on se marre bien, et je pense qu'on passe un bon moment, et surtout montrer qu'aujourd'hui, avec un petit budget, et vraiment. Des idées, du talent et l'envie, on peut vraiment faire du cinéma, quoi. Ah bah, si vous savez pas quoi dire, en tout cas moi je l'ai vu, je sais pas si je suis une référence, mais c'est vrai que c'est très burlesque, c'est kitsch, c'est drôle, c'est absurde, c'est très bien dosé et je trouve que c'est très efficace. La grande badoule, voilà. Austin Power, des passages de ouais, c'est complètement inclassable. Voilà, ne cherchez pas, n'essayez pas, mais en tout cas c'est vraiment très très drôle. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. N'hésitez pas à y aller. Donc on a dit le 15 en avant-première à Bastia et à partir du 16 dans les cinémas. Dans les cinémas. Le vous 25, avez été récompensé aussi. Oui, j'ai eu le premier prix du film corse à Bastia, Artemar. Oui. Et le 25, nous sommes au festival à Beau. Non, le 25, c'est le 25, c'est à Ghisonaccia que je présente à l'Excelsior au cinéma d'Abbazia que je présenterai ce film. Et après on est à Beauvais aussi. Oui, vous êtes en train de réfléchir, vous savez ce qu'on va faire. Faustine ne l'a pas vu, mais elle a plein de questions sur les années 70 pour voir si vous êtes des experts. C'est pas un questionnaire, c'est un véritable voyage dans le temps. Nous sommes en 1974. Mm-hmm. Vous êtes dans votre chambre, la musique à fond. Vous écoutez quoi ? Les Bee Gees.
Ah, moi, non, c'était quoi? Alors, moi, c'est-à-dire, en fait, moi, c'est particulier parce que c'était ce qu'écoutait ma sœur. Donc, ça devait être soit Abba, soit The Rubettes. Ah non, les Rubettes, je me suis trompé, c'est pas les Bee Gees, c'est les Rubettes avec les casques de blanche. Vous écoutez la même chose. Vous étiez déjà pour commencer. C'est ça, les Rubettes, je me suis au bout de Bayard. Alors, les cheveux au vent et des rêves plein la tête. Si, c'est ça. Vous vous dites, quand je serai adulte, je ressemblerai à... À Johnny Depp. Non, il n'existait pas encore. Votre idole. Moi, je les aimais tous, hein. Ouais, moi, j'aimais bien. Tous les mérites, toutes les casquettes. Tant qu'ils avaient des cheveux. Non, moi, j'aimais tout, quoi. J'aimais aussi bien Pas d'idole, pas d'exemple. Non, moi, j'aimais au cinéma, j'aimais aussi bien... À l'époque, c'était quoi, 74 Sœurs Laurence Olivier. Bon, moi, j'étais fan de la Royal Shakespeare Company. Je sortais du foot et à 3h de l'après-midi, sur France 3, il y avait la Royal Shakespeare Company au Dôme, où les mecs, ils arrivaient à cheval, ils coupaient des têtes. C'était en anglais, je sortais du foot, je mangeais mon sandwich, et je disais, c'est ça que je veux faire. Ouais, je veux dire, la musique, j'aimais tout. C'était aussi bien les Rubettes que des fois j'écoutais Rick Azaray avec ma mère, mon père disait c'est quoi, ou Adamo, j'aimais bien Adamo. Alors la dernière, il est 6h du matin, vous sortez du fanal, je pense que Gérard connaît le fanal, sur un coup de tête, vous décidez de prendre un avion, vous allez où? En sortant du fanal? Ouais. Bah, l'île d'Elbe, ça devrait suffire. À la nage. Non, moi New York. J'ai toujours rêvé. Là. Dans les années 70 en plus. New York, dans les années 70, on aurait été les parrains là-bas. Et en 70, on vous parle de 2016, vous le voyez comment? Oh ben je le vois comme aujourd'hui. Avec un film déjanté, Africa Corse. Ah non, moi je le verrais bien oui, du pas avec un film déjanté évidemment, mais quelque chose de plus, je sais pas, avec des engins volants, des trucs. Nous-mêmes, on vole, tu vois. Des trucs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de folie dans vos films. 2026. Messieurs, je suis désolée, l'émission est déjà terminée. On n'a pas vu le temps passer. En tout cas, je vous remercie d'être venus. On rappelle le 15 et le 16 sortis en salle. Mmh. Et puis, au mois de janvier, ce sera diffusé aussi sur VST, le par épisode. 10 petits épisodes qui sont prévus. Nous, à partir de 13h, on va parler des champignons. Vous restez avec nous. On va parler cueillette, intoxication. On va vous mettre en garde. Donc, comment ne pas finir un peu déjanté, hein, parce qu'il y a des champignons qu'il vaut mieux éviter de manger. On se retrouve après le journal de Sébastien Luciani. Je vais y arriver, à tout à l'heure. Merci.